Nous arrivons à la troisième année de projet qui va être clôturée en octobre 2017 et nous allons présenter le retour d'expérimentation de plusieurs contextes dans lesquels ont été expérimentés les outils produits, en particulier un référentiel, une carte de compétences graduée et des démarches d'évaluation, en particulier d'auto-évaluation guidée. Plusieurs terrains expérimentaux ont participé de façon soutenue et approfondie à la démarche, en particulier le centre de réadaptation professionnelle Jean Moulin à Fleury-Mérogis en Ile-de-France, sa directrice Frédérique Rueda, son responsable des dispositifs qualifiants Dominique Souillet, ont impulsé et adopté la démarche, en particulier pour des personnes en situation de reconversion professionnelle, de ce qu'on appelle une reconversion subie par des contraintes personnelles, c'est-à-dire des personnes qui ont occupé un métier, qui ne peuvent plus l'exercer et qui s'orientent vers un nouveau métier et une nouvelle certification. Il s'agit de l'entreprise Le Tremplin à Orléans, dirigée par Corinne Mathiasos, qui, convaincue de l'intérêt de la reconnaissance des compétences transversales pour des salariés en contrat aidé. À l'initial, le positionnement choisi était d'inscrire la EFA et la critérisation, l'auto-positionnement des bénéficiaires dans le cadre d'un conseiller en évolution professionnelle. Quatre expérimentations sont soit déjà démarrées et bien ancrées. Ce qui était prévu à l'initial, c'était de faire, comme je disais, l'auto-critérisation dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle. Néanmoins, la pratique professionnelle a fait que certains sont allés dans d'autres directions. Par exemple, au Creusot, l'idée qui a été retenue de par leur expérience professionnelle était d'utiliser l'autocritérisation des bénéficiaires dans le cadre d'une validation d'acquis de l'expérience pour des personnes ayant des difficultés avec l'écriture. Quant à Enfort, un des intérêts majeurs était aussi de réinjecter et de nourrir notre pratique professionnelle. Nous sommes partis dans une dynamique d'adhésion volontaire, c'est-à-dire qu'on leur a présenté l'expérimentation et seuls les conseillers qui voulaient vraiment participer ont pu le faire. Si le choix s'est porté sur les conseillers en évolution professionnelle, c'est parce que le conseil en évolution professionnelle bourguignon est lui-même une expérimentation. Les seuls nœuds que j'ai notés pour l'instant, c'était le fait que l'ensemble des conseillers n'aient pas voulu participer à l'expérimentation parce que, mine de rien, c'est quand même une remise en cause de sa pratique professionnelle. Engager une réflexion avec ce type d'outil, c'est quand même chronophage. C'est une remise en cause de soi, de plein de choses. Après, généralement, c'est aussi les institutions qui ne permettent pas de pouvoir aller sur ce champ-là et avoir une réflexion un peu plus posée. La communauté digitale des CEP qui permet l'échange de pratiques interinstitutionnelles. Et là, on voit que ça marche vraiment quand c'est les conseillers eux-mêmes qui sont au cœur de l'échange et qu'ils échangent sur leurs pratiques et des choses comme ça. C'est là où vraiment je trouve qu'il y a un impact fort outre l'institutionnel.